Bonsoir, bonsoir. Alors. Est-ce que vous êtes chaud? Pas du tout. Putain, alors c'est méga triste. On va attendre un petit peu encore. Parce que j'aimerais bien quand même un petit avis. Un petit avis pour débuter, quoi. Pas que ça arrive au milieu de la quête. Attendre encore deux peut-être minutes. Et puis on lancera. Normalement, j'ai tout désactivé. Ce qu'il y a de dangereux à laisser activer sur le jeu. Du moins quand on live. Et puis voilà. De toute façon, s'il n'y a personne, j'ai à peu près la petite idée de ce que je veux faire pour débuter, mais. C'est quand même plus sympa si ça choisit pour moi. Si au moins il y a les concernés. Après, normalement, tiens, je vais vérifier ça. Normalement, le jeu il est à fond. J'espère que ma voix est bien avec le jeu. Oui, ça sera à voir. Et normalement, tout est à fond. Et tout marche bien. J'ai juste pas activé le ray tracing parce que c'est de la merde et ça lag. C'est pas du tout une technologie encore au point, et encore moins sur Cyberpunk. Donc, pour le moment, c'est tant pis. On va pas attendre 10 000 ans, hein, clairement. 10 000 ans. Mais ouais, normalement, bah du coup, s'il n'y a aucun choix, ce sera en normal. On va pas déconner, le jeu en normal. Un nomade et un personnage féminin. Parce que bon, dans les choix d'histoire, on va pas se cacher, Gosse des rues, c'est pas terrible. Et le plus intéressant avec Jackie, en tout cas je trouve, avec le personnage de Jackie, c'est quand même de choisir Corpo. Vu que j'ai déjà pris Corpo ma première game, j'ai quand même testé Nomade. Le début est assez chouette. Donc on va voir. Alors, on va attendre encore. Potentiellement 20 secondes. Mais si c'est pas le cas, s'il y a personne pour choisir, et ben je choisis tout seul. Chez un choix crucial. Bon, ouais, de toute façon, on va lancer. Ici, au pire, il y a quelqu'un qui spawn. Au milieu de ma personnalisation de personnage.
Du coup, je vais prendre mon temps, hein, du temps que quelqu'un arrive, même si j'ai à peu près une idée de ce que je veux faire, comment on... Ah oui. Pour le moment, on va tout laisser comme ça. Les cheveux. Non, c'est genre, je crois que c'était 20, quelque chose, un truc comme ça. Voilà, 22. C'est complètement les cheveux d'un autre perso, mais tant pis. Ça, on va laisser comme ça. Ça, je peux déjà mettre. Non. Pas les yeux rouges. Ouais, ça on va laisser pour le moment comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est d'enlever pour le moment les trucs comme hack. Je les remettrai après. Hop. Juste comme ça. On met tout en vanilla et c'est plus facile pour faire quelque chose avec ça. Voilà. Bah du coup, déjà la couleur des veuches. Bon, en vrai, j'aime bien comme ça. Bien comme ça, de toute façon, ça va dans le ton du perso. Même si ça, du coup, ça reste très basique. À la limite, c'est vrai qu'en vrai, je peux garder les premiers cheveux si je fais ça. Parce que c'est celui-là, du coup. Ça. Je crois qu'en vrai, on va faire ça. Hein. Je trouve que c'est ce qui va le mieux dans le ton et qui fait pas trop forcing. Et à la limite, je mets les cheveux un peu plus longs, voilà, comme ça. C'est quand même plus sympa au plus court. Ouais, elles sont quand même plus sympas comme ça. Les yeux, du coup. Un grand choix. Ça peut vite mal tourner, genre de conneries. Ouais. 10, c'est sympa. Quatorze aussi. Ah, le 1 il est pas terrible hein. Le 10 hein, je crois. Ça fait moins asiatique, j'ai l'impression. Ouais. Quoique ça change rien. Ouais, non, ça change strictement rien. Ah, j'arrive pas à me décider. Ouais, oui. Les yeux comme ça va très bien. Les sourcils, il n'y a pas des. Ah, 5 sont très bien. Je mets pas de sourcils. Alors 5 ils sont très bien. On reste dans le ton. Ah, je sais. Plus foncé, c'est quand même plus sympa. Ah, c'est vraiment aller chercher très loin. Hein. Je peux pas changer les cils, ça j'avais oublié, tiens. The fuck. Ou alors c'est que dans la version censurée. Le nez m'a l'air pas mal.
Ah, quoique en vrai. Bon, on peut faire un nez en mode Targaryen. Le gros pif. Non, mais je crois qu'en vrai. Ça, c'est des barres. Ouais, oui. Je trouve que je me donne quand même beaucoup de peine pour un putain de pif. Mais c'est important, faut que le personnage il ait eu le nez quand même. Il ait un bon nez de juif. Il sente les bonnes affaires. Et il va réussir dans Night City. Ça, c'est sûr. En vrai, ouais, je crois que le 2 est pas mal. Hein. Le 2 est simple, efficace. La bouche, je crois qu'en vrai, de toute façon, ça, je vais laisser comme ça. Parce que... Ah, bouche 3, ouais. La bouche 3, il y avait un truc. C'est important d'avoir une bonne bouche aussi. Surtout dans un monde dystopique où tout le monde baise. Voilà. Ou une bonne bouche pour bien tout avaler. Ah, puis bon, ils se font tous refaire hein, dans ce cyberpunk, alors autant faire un truc abusé. Ah, ça c'est vraiment dégueulasse. Ah, bah, je crois que 3 c'était pas. C'était pas mal. 3 c'est pas mal. Alors ça va pas m'aider si tu mets ta main devant ta gueule pour que je voie ta mâchoire. Je vais te faire une mâchoire un peu ronde. Ou une mâchoire un peu carrée. C'est pas c'est trop rond par exemple. Non. S7, ça peut être intéressant. Ouais, 10 aussi. Beaucoup de choix pour si peu d'effets. En vrai. Alors celle-là pas trop parce que on voit que ça fait. Au niveau des joues, là, ça creuse pas mal. Pas ça forcément très beau. Donc je crois qu'en vrai, on va plutôt chercher justement dans quelque chose qui creuse un peu moins. C'est 7. Voilà, ça, je trouvais pas mal. Je vais faire un visage un peu rond et que ça fait pas trop creuser, c'est pas mal. L'oreille, bon, ça, de toute façon, on est les fameux experts des oreilles. La 1, ça ira très bien, je crois. Non. Ouais, par la limite, si je lui fais des oreilles décollées. Fait un peu Dumbo. Ah, les gens de ce monde n'ont pas de défauts, ils sont magnifiques. Faut pas lui mettre des mauvaises oreilles. Mais c'est vrai que ouais, choisir des oreilles, 16 à la limite. Ah, attends. Le 1, ça ressemblait à ça. On sent qu'elle est très creusée, qu'il y a une forme un peu pure. Voilà, c'est. Et 16, si j'y vais très vite dessus. Ah, bah 16, c'est pas mal.
C'est plus grand. C'est pas mal, ça lui fait désorienter un peu la Dumbo, c'est parfait. D'ailleurs, j'espère juste. Ah, ça c'est l'enfer. J'ai vu que j'ai pas de retour. Quoique, si, en fait, je peux avoir un retour. Parce que j'ai l'impression que ça lag sur le stream. On va vérifier ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? J'aurais peut-être dû couper le son. J'allais dire, il y a quelqu'un sur le stream, mais c'est moi-même. La tristesse. Non, ça n'a pas l'air de lag. Et puis ma voix a l'air de bien fonctionner, au moins c'est une bonne vérification, bravo. Alors. matériel cyber. Pour ça, on peut se faire un petit kiff. Je sais qu'il y en a un qui est quand même. Genre lui, il est chouette. Lui, ça fait un peu bling bling. Avec le petit côté or. Lui, c'est basique, mais c'est sympa. Avec le. Au niveau de, du coup, ou ça aussi. Bah, étant donné que de toute manière, j'ai choisi Nomade. En vrai, elle est pas censée non plus être trop. Trop retouchée au niveau du cybernétique, la nana. Donc. Bah, au pire, c'est soit le truc de base qui est quand même grave stylé. Soit rien du tout en vrai. Parce que de toute façon on le voit pas, mais là elle a un truc. Hein. Elle a déjà une espèce de clé USB. De toute façon t'es obligé de l'avoir. Au pire en vrai je crois que je vais rien mettre. Ou je mets juste ça. Et puis au fur et à mesure, vu que maintenant on peut modifier un peu son personnage, je rajouterai des trucs en fonction de des atouts cybernétiques que je lui mets. Je pense que ça peut être pas trop con. Ça peut être un peu plus stylé, ça. Rajouter un peu de RP. Cicatrice, non, ça c'est pas beau, ça. Voilà, c'est jamais très. Un peu dégueu. Tatouage, quoi que. Le problème, c'est que c'est un peu trop basique. Je trouve qu'il n'y a pas assez de fantaisie dans les tatouages. Notamment au niveau du corps. Je trouve que c'est un peu dommage. En fait, ils auraient dû faire comme dans certains jeux où tu peux déplacer le tatouage et genre enlever des parties que tu veux pas et tout. Ça aurait été pas trop con, je trouve. Piercing en vrai, ça peut se défendre. Ça peut se défendre. Le personnage est quand même une paria. Ouais. Alors je vois pas où il Ah, on peut avoir un classique. Ou sans rien. C'est vrai qu'on peut avoir un basique, un truc tout con, tout simple. Après, je me dis pour la baston, c'est pas très pratique. Quand même, caché. À part si le mec te tire une balle dans l'oreille. Les dents, on va laisser de base, on va pas s'emmerder. D'ailleurs, je suis en train de tilter qu'il y a un truc que j'ai pas fait. Un type de peau. Ouais bon, on va laisser comme ça. Je pensais que j'allais pouvoir un peu mieux changer ça, mais. Kenny, rien du tout. Alors maquillage, est-ce qu'il y a un truc. Là c'est pareil en vrai. Ça. Alors je vois pas où il est. Est-ce qu'elle a besoin d'avoir quelque chose? Elle vit dans le désert. Ah, je peux lui faire des trucs en mode parade Alexandrie. Ouais, non, mais je crois que. À part s'il y a vraiment un truc un peu soft. C'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas de. Bah, il n'y a pas de soft, ce qui est un peu logique. Mais c'est quand même un peu dommage.
Alors ça, je vois pas les différences. Ah! Oh bah. Si vraiment. C'est genre vraiment juste l'œil en fait. Ouais, allez. À la limite. Y a pas un truc, si y a un truc qui est peut-être un peu plus. Voilà, un peu plus flash. Je crois que. Comme ça va très bien. Ça sent, parce que aucun intérêt. Encore une fois, elle est censée quand même être loin de la ville, donc loin des délires extravagants, on va dire. C'est pour ça que je pense qu'à ce niveau-là. À la limite, on peut lui mettre des défauts. C'est vrai. Pas non plus 36 000, mais voilà, des légers défauts en vrai, ça peut être pas trop con. Les ongles courts, ça c'est logique. Couleur des ongles, c'est comme je dis, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt, enfin il n'y a pas de logique à ça. Et voilà, les tatouages, moi je trouve. Je trouve les tatouages vraiment pas terribles. En fait, ça manque de. Je comprends pas pourquoi, typiquement, voilà, ils proposent full tatouage partout et tu peux pas juste sélectionner un. Tu peux déplacer. Ça, je ne comprends pas. Donc, tant pis. Et la cicatrice, c'est pareil. Bah, en fait, à la limite, ouais, t'as celle-là qui est toute simple au niveau du bide. Ah, c'est ça, c'était. Elle a une balle dans le bide et puis un truc. Après, je sais que le reste, ouais, voilà. Le reste, c'est immonde. Ça fait peur, hein, comme on dit. Alors, ah, il y en a que deux. Ça aussi, typiquement, c'est très triste. Il y a que deux types de cicatrices. Un truc immonde. Un truc immonde. Et un truc qui se voit à peine. Non, elle est toute neuve. Elle est toute neuve, elle aura pas de dégâts. Hop là. Moi, ce que je voulais faire, donc dans la logique du truc, j'avais envie de mettre la maîtrise de technologie. Donc, moi, c'était vraiment ça. Et l'intelligence. Les réflexes, pas vraiment. Et du sang-froid. Pas vraiment non plus, on va dire, c'est les trucs qui pêchent, comme on dit. Mais surtout une bonne constitution. Je vais essayer de faire un bourrin. Voilà, bon bah du coup, personnalisation faite, on va lancer. On va lancer ce début d'histoire, tranquillou bilou. Module de couplage électrique. Quand je suis entré, vous avez dit que c'était rien. Et que vous étiez sûr. Ouais, oui. On va quand même prendre le didacticiel. Je me suis trompé. Vous pouvez toujours essayer un autre garage qui ne demandera pas à une nomade ce qu'elle fait seule près de la frontière. Je vais vous payer ce qu'on a convenu. Pas un ni de plus. Oh, pour ce prix-là, autant emprunter mes outils et la réparer vous-même. Ça me va. Poussez-vous. Quoi? Vous avez une idée de ce que vous faites? Je réfléchis, je réfléchis.
Et ça donne quoi? Ça donne que vous m'aidez pas. Je vais contourner le couplage et improviser un démarreur. Le compresseur va tourner en continu, il va se gripper. Est-ce qu'on vous a demandé votre avis? Ok, on va voir ce que ça donne. Vous l'avez bien dit. Non. C'est pas trop mal. Mais la question, c'est combien de temps ça va tenir? Ça tiendra jusqu'à Night City. Je trouverai une autre solution là-bas. Ah, d'accord. Votre antenne n'a pas l'air en très bon état, hein? Vous devez pas capter grand-chose. Sans déconner. Je savais pas que t'avais une cliente. Elle a débarqué il y a quelques heures, je pensais qu'elle s'était signalée. Allez, t'en fais pas, Mike. On va mettre les choses au clair. On vous a jamais dit de passer voir le shérif en arrivant en ville, histoire de lui expliquer ce qui vous amène. Peut-être même autour d'une tasse de café. Vous inquiétez pas, je vais pas rester longtemps. Ça répond pas vraiment à ma question, ça. Je m'appelle Andrew Jones. Ça doit vous parler. Pas vraiment, non. Les shoguns d'argent des forces spéciales pendant la dernière guerre. Non? Non, ça me dit rien. Je crois qu'on va pas s'entendre. Voiture de nomade. J'aurais dû m'en douter. Je la répare et je m'en vais. J'ai pas de raison de rester ici. Ouais, je vous le fais pas dire. Y'a rien qui m'énerve plus que les chiens errants. Votre clan, où il s'est installé? Vous aussi, vous croyez tout ce qu'on dit aux infos? Que les vilains nomades sont la source des problèmes dans le monde? Non, je respecte l'ordre. Les corpos nous ont apporté l'ordre, et j'ai bien l'intention de le maintenir. Les corpos vous payent et vous tiennent en laisse comme un chien, vous le savez ça? Ouais. Alors me forcez pas à montrer les crocs. Je vous repose la question. Où est votre clan? Y a pas de clan, et pas de camp non plus. Je suis toute seule. Je vous crois pas. Les nomades se déplacent toujours en groupe. La famille s'est séparée. C'est pour ça que je vais à Night City. Alors, vous êtes une paria parmi les parias. Eh ben, j'espère que vous resterez pas longtemps. J'ai vu une tour radio en arrivant. Mon antenne est pétée et j'ai besoin de contacter quelqu'un. Ouais, ben moi, j'ai besoin que vous foutiez le camp d'ici sans vous retourner. Je veux pas vous voir traîner dans le coin. Est-ce que c'est bien clair? Je vous ai déjà dit, je veux pas de problème. Alors arrêtez d'en chercher, et barrez-vous, Fissa. J'ai l'impression que le son est pas très fort. Dans le doute. Ah. je vais quand même rediminuer. Ah, je vais augmenter quand même un peu. C'est de pas trop parler pendant les dialogues, mais si au cas où, qu'on entende quand même. C'est parti! Par contre... Ouais, bon. C'est quand même plus facile de conduire en vue troisième personne. Ah, putain. Pour l'habitude des autres jeux, j'appuie sur E pour me barrer de la voiture. Vieux taco là. Damn. C'est pour ça qu'on a mis max de force.
Ah tiens, d'ailleurs... Ah non, ça je peux pas. Alors... Montons en haut de cette histoire. On va se la jouer Assassin's Creed. À côté de la ville. C'est bon de t'entendre. Hey, j'aimerais pouvoir en dire autant. T'es pas content? T'as abandonné le clan. Du coup, je peux plus t'aider. Je savais pas que t'étais si prudent. Je suis loyal, c'est tout. Il y a des règles. Et le système peut pas fonctionner sans elles. Ici, on donne du boulot aux nomades parce que c'est leur territoire. T'aurais aucun problème si t'étais encore une backer. T'aurais dû rester avec eux. Et rejoindre les Snake Nation comme les autres. Je les emmerde, les Snake Nation. J'ai besoin de ton aide. Une dernière fois. Encore? Une dernière fois? Je dois trouver le client qui a ma cargaison. Mais je sais pas où il est. T'es sûr que t'étais au bon endroit, au bon moment? Hein? Ma caisse m'a lâché, le couplage électrique. J'ai du bol d'être arrivé jusqu'ici. Le client m'a peut-être laissé un message. Tu peux vérifier pour moi? Ok. Mais c'est la dernière fois. T'as le nom du client? Jackie Wells. Ouais. Il a laissé un message. Il t'attend dans une ferme. Je t'envoie la géoloc. Oh, merci Willy. Je te revaudrai ça. T'as intérêt? Essaie de pas te faire tuer. Il m'appelle plus. Ça marche, Willy. Voilà. Petrix? Ouais, non, peut-être pas. Hop. Coup de tir. Ah, on est si loin de la ville. Mais ça, c'est cool. Quand les gens disaient que c'était un des débuts les plus sympas parce que tu rentrais dans la ville, etc. C'est vrai que de la voir au loin comme ça fait quelque chose. Alors, est-ce qu'elle marche? Oui, elle marche. Ah. J'ai cru qu'elle allait s'arrêter. En mode non. Petite panne. Essayer de quand même avoir une conduite pas trop bourrée. Sortir de mon véhicule. J'ai cru que j'allais devoir me reconvertir en fermier. C'est toi que j'attends, j'espère. C'est toi, Wells? Jackie, por favor. Moi, c'est V. T'as une cargaison à transporter, apparemment? De là d'où je viens, on se présente avant de parler affaires. C'est une sorte de tradition. Ou juste les bonnes manières, tu me suis? T'es un homme de principe? Il en faut bien, Chica. Au moins, il te restera toujours ça si jamais on te prend tout le reste. Ok, dans ce cas, on commence par toi? Je suis né à Night City, un pur produit d'Haywood. J'ai jamais été à Night City, alors ça m'évoque pas grand-chose. Bah,
Imagine un endroit où tout le monde est comme un frère ou une sœur. Ou un cousin éloigné. Je crois que je vois. T'apprécies pas forcément tout le monde, mais c'est la famille. C'est ça, Heywood. Et tout le monde porte un crasheur. Et toi ? On pourrait dire que chez moi, ça ressemble à Heywood. America ! Toi et moi, on va s'entendre à merveille. La cargaison. Y'a quoi dedans ? Moins t'en sauras, mieux ce sera. J'en sais rien non plus, et c'est mieux comme ça. Tu sais même pas ce qu'on doit faire passer. C'est de la marchandise corpo volée. Volée ? Ah. Un pommard l'a perdue, un autre l'a trouvée, l'a fait circuler, et voilà, elle est là. Tu sais, c'est l'effet papillon, ou un truc du genre. Et y a personne qui cherche cette caisse ? C'est pas un problème qu'il la cherche. Tant qu'il la trouve pas avant qu'elle ait passé la frontière, hein. Faut mettre ça dans la voiture. Ah ouais, bon. Eh, Pordy, je suis une femme fragile. Voilà. Est-ce qu'il... Commencé à penser que tu viendrais pas ? J'ai été retenu, et t'as pas été super facile à trouver. Ah, j'ai préféré pas faire de vagues. Ce comte shérif, il avait pas l'air commode. Claire. Ça pèse une tonne. Bon, on décolle. Cette conduite, mon dieu. Est-ce que t'as le manifeste pour le transport ? Ouais, essaie de regarder là avant. Le fixeur t'a pas donné les détails du boulot ? Si. Je voulais juste être sûr. Écoute, ma grande, on est tous les deux des pros, ok ? Hé, t'es sûr que t'as déjà transporté ce genre de truc ? Pourquoi ? T'es nerveux ? Moi ? pour le favor. Ok. Être un peu. Oh putain, la frontière mexicaine. C'est quoi la suite ? Rien, ils vont nous scanner et contrôler nos papiers. Ah, ok. T'inquiète, laisse-moi parler. Putain de mexicano. Voilà. Le véhicule. Le contrôle de sécurité va bientôt commencer. J'ai un très mauvais pressentiment. Tu sais, ils vont le voir, c'est nerveux, hein. Il faut vraiment que tu te calmes. Ouais. Passe-moi le manifeste, ils vont vouloir le voir. Tiens, voilà. Voyons voir. Ah, ça dit Eloa. Parfait. Ça veut dire quoi ? Que c'est perdu à l'arrivée. En gros, la cargaison doit être perdue. Dès qu'elle aura passé la frontière, quoi. Waouh. Alors ils savent qu'on fraude. Ils vont pas tarder à le savoir. Le propriétaire du véhicule dans la zone d'inspection doit se présenter pour un contrôle approfondi. Ah, putain madre. Et maintenant ? Relax. C'est la procédure habituelle. Ça fait partie du plan. Bon, ben, j'imagine que tu sais ce que tu fais. Il va falloir allonger quelques édits si on veut que le douanier ferme les yeux sur nos faux docs. T'as la puce de crédit avec le bakchiche ? Oh, ouais. J'avais oublié. C'est ça. Oublié. Merci, mec. Mais ça, c'est le disque dur. Je laisse tourner le moteur. Au cas où ça parte en couille. Ok. Bonjour, monsieur. Et là, je me barre en courant et je me fais fusiller. Comme un pauvre immigré. Si vous avez une arme, déposez-la ici. Et ouais, mec, j'ai un gros gun. Présentez-vous en salle numéro 2. Numéro 2. Ça marche. Asseyez-vous. Papier.
Je sais comment ça marche. Tout est là. Peut-être, peut-être pas. On va voir. Vous avez vraiment une sale gueule. Mmh. Oh, je dis ça comme ça. Hein. Tout est là. Vous êtes sûr? Il y a une pièce jointe supplémentaire au manifeste. Il y a tout le porno du monde dans cette clé. Ah oui. Rappelez-moi pour quel clan nomade vous roulez. Je pense pas vraiment que ça vous regarde. Ah, vous croyez vraiment? Vous savez, quand je vois des gens comme vous, je suis vraiment content de pas être de ce côté de la table. Oh, c'est réciproque. Vous pouvez y aller. Votre associé vous attend dans la voiture. Merci bien. N'oubliez pas de reprendre vos affaires. Ouais, ouais. Bon. Attention avec ce jouet. Et bienvenue à Night City. C'est pas un jouet, mec. C'est un gros gueule. Night City comme une sorte de paradis. Qu'est-ce qu'on y peut ? Ils sont jeunes et naïfs. Comment ça s'est passé ? Enfin, autant dire. Je te raconterai dès qu'on aura foutu le camp. Ouais, ok. C'est très nerveux quand même sur le volant, je l'acquis. Tu vas me dire ce qui s'est passé là-bas. Disons que j'ai un mauvais pressentiment. Oh merde. Et ça t'arrive souvent ? C'est rare. Tu crois que ça sent les emmerdes ? Concentre-toi sur la route. Quelqu'un vient vers nous. C'est pas bon signe. Mmh. Arrêtez immédiatement le véhicule. Faut pas rester là ! Ok. La marchandise que vous transportez. Ok. Par contre, on peut pas regarder les rétros, y'a pas de rétro. Merde ! Merde, Jackie, y'a pas de rétro. Alors. Ok. On gun, on gun. Ah, y'a plus de tireur. Ah, quoique. Ah. Je suis pied au plancher. On va les semer. Vas-y, fonce, hein. Fonce, Jackie Tuning. Oh, le mec qui conduit, il en a rien à foutre. Il sort de son véhicule. À quelques mètres de du délit, quoi. Ah, ma caisse, Jackie, elle était déjà niquée. Ils ont failli nous avoir. C'est ça que t'appelles de la contrebande, Chingalo? C'était censé être un job tranquille, sans accro. Hey, si tu penses que c'est ma faute, t'as qu'à me le dire en face. Je sais pas, c'est ta faute. Le douanier a prévenu la corpo qu'on se trimballait sa cargaison. Alors ces connards de douaniers, ils peuvent nous enculer à sec quand ils veulent ? Et voilà. S'en tirer comme ça ? Il a pris un risque.
Il a supposé qu'on n'avait pas de clan pour nous soutenir et... il a eu raison. On fait quoi maintenant? Je te retourne la question. Tu vas continuer à te plaindre? Ou bien on peut régler la note, là? Ok, je vais pas te mentir. Je suis un peu raide. Je peux pas te payer tout de suite. Je te filerai ta part quand j'aurai été payé pour cette saloperie corpo qu'on trimballe. Oh, et tu pensais que j'allais t'attendre là, bien sagement? En fait, j'allais pas te payer du tout. Je voulais te larguer dès qu'on aurait franchi la frontière. Mais... t'es une chic fille. Damn. Tu m'as piégé. Ah ouais. Désolé d'avoir enfreint ton code de l'honneur de trafiquante. Alors, c'est quoi la suite? On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Ouvre-la. Je suis pas sûr que ton client apprécie de recevoir un paquet ouvert. C'est synonyme d'embrouille. J'emmerde le client. À un moment, c'est mieux d'être à son compte. Plus de commissions, plus d'intermédiaires. Et puis, je dois savoir ce que je vends si je veux trouver un nouvel acheteur. Ah ouais. Oh merde. Il y a marqué Arasaka sur la caisse. On vient de voler un gros poisson. Alors on va peut-être se faire un gros paquet de fric. Non mames. Un vrai iguane. Des petites antilles, je crois. Des petites... quoi? Ouais, j'ai vu un docu sur eux à la télé. Ils ont disparu il y a une trentaine d'années. Ils viennent des petites Antilles. T'en as fait du chemin, boule d'écaille. Tu penses pouvoir en tirer quelque chose? Ouais, je crois qu'il va bien nous aider. Nous? Ouais, partenaire. On va faire moite-moite. Un bon fixeur trouvera un pommard plein aux as prêt à acheter cette beauté. Mais c'est con quand même. J'ai toujours voulu avoir un animal. Je lui avais déjà trouvé un nom. Manny. Eh, au fait, tu sais ce que tu vas faire en arrivant à Night City? Pourquoi tu demandes ça? Parce que je sens que tu vas avoir plein de temps libre et pas grand-chose à faire. Et à Night City, tu peux pas vraiment t'en sortir sans pote. Mais t'en fais pas. Je vais t'aider à trouver une piole. Un toit, c'est important. Et c'est aussi important d'avoir des gens sur qui tu peux compter. Comme une famille, tu vois. Tu t'en trouveras peut-être une à Night City. J'ai jamais dit que j'avais besoin d'aide. Arrête, c'est rien. Le courant passe entre nous. Ce serait con de pas en profiter. Partenaire. Hé hey. Non, oh, il veut que tu le caresses. C'est quoi, Jackie? Toi aussi, t'es un chic type. Arrête, tu vas me faire rougir, Tika. Ok, partenaire. On prend ce lézard et on se tire en vitesse. Ah oui. C'est Stanley qui vous parle et c'est une nouvelle journée qui nous attend dans la cité des rêves. J'adore notre bonne vieille ville. Eh, on a ramené Manny, à pas du... survivra une année, et encore, si l'année est bonne. Pourquoi ils viennent tous à Night City, alors? Eh ben, pour devenir un samouraï des rues comme Morgan Blackhand, ou Wayland Boraboa. Plus on prend de risques, plus on peut gagner gros. Ah, c'est ce qu'on dit, en tout cas. Mais on peut pas rester au top très longtemps, la vie se consume vite quand on a beau parler de vous. Ouh! Ou alors, quand on se prend une balle. La plupart des légendes de cette ville, vous savez où elles sont aujourd'hui? Au cimetière! Peu importe d'où vous venez, peu importe par où vous commencez, ce qui compte, c'est le chemin que vous allez suivre. À Night City! La cité des rêves! La fille qu'on cherche est quelque part dans ce bâtiment.
Ça doit être le repère des Penderos qui l'ont kidnappé. Ouvre grand les yeux et les oreilles, ok? Ça me fait penser... J'ai un petit cadeau pour toi. Un éclat d'entraînement de Militech. Bah, salut, Korbach. Ça va ou bien? Ça te dit un petit exercice de tir en VR? Militech? Jack, on parle de matos militaire ultra confidentiel. Comment t'as chopé ça? C'est T-Bug qui l'a craqué. Et elle a fait quelques petites modifs. Ah bon? Ça lui plaisait pas? Non. Elle disait que c'était pas son style. Tu comprendras vite. Ouais, ça va, tranquille, écoute. Oh, t'es le premier à arriver. C'est un peu triste, mais... Ok, pourquoi pas. Du coup, j'ai tout créé. Le personnage, l'histoire. Et vu que de toute façon, l'intro est passée, là, maintenant... Ah, on va quand même se refaire le tuto. Ce concours vise à renforcer vos fondamentaux en matière de combat et à aiguiser vos réflexes. Les compétences que vous apprendrez ici vous permettront de survivre et même de briller sur le terrain. Je vous apprendrai à utiliser des armes, des techniques d'infiltration et des moyens de pirater les réseaux de l'ennemi. Car chez Militech... Ils sont nuls en codage chez Militech. Par contre, la formation de Troufion, c'est leur truc. Bref. Poste 1, la bleusaille. Et hop, pas de course. Allez. J'espère que t'es prête à te bouger les fesses sur ce parcours fasciste. Excuse. Je vois pas le problème. Qu'est-ce qu'il y a comme problème avec les fascistes? Ouais, j'y ai déjà joué. J'avais déjà fini le jeu, en fait. Histoire de s'échauffer. Bah, je voulais refaire une partie et puis là tenter d'essayer de faire un peu plus de quêtes secondaires parce que j'avais rush la quête principale moi à l'époque parce que le jeu il buguait quand même pas mal. Et c'est vrai que pour le coup j'avais zéro thune donc j'avais fait zéro amélioration, alors je vais essayer quand même d'en faire quelques-unes quoi d'amélioration là ce coup-ci. J'avais fait la fin avec les Aldecaldos. La seule fois. Bah, je pense que Roche, c'est la fin la plus sympa à choisir. Ouais, je me doutais que ce serait pas trop dur pour toi. Qu'est-ce que tu dirais si on pimentait un peu les choses? Parce que bon, après le reste, c'est soit extrêmement triste, ce qui peut rappeler un peu la série animée, quoi. Et pour que ça fasse vrai, il faut soit c'est un peu what the fuck, quoi. Ouais, c'est celle où je me barre avec Panam. Mais du coup, ouais, je m'étais barré avec Panam, et ce qui va être chouette, c'est que genre c'était mon personnage, il sortait avec Judy, mais du coup, tu te barres avec Panam et Judy, quoi. Barre avec les deux waifus. Il est venu avec des tchoums cette fois-ci. Tu sais quoi faire, mais... Beau boulot, V. Va sur la plateforme pour passer à la suite. Pour la suite, je te propose du piratage. Tu verras que j'ai légèrement modifié le matériel pour le cours. Vas-y, hein. Alors, comment on pirate déjà? Ce module d'entraînement t'apprendra à employer des... Fais déconner l'écran en le piratant pour distraire... Corpo ordure. Forme avant le fond. Ah. Bien. Ça fait rien. Ok, le jeu qui voulait pas que je marche tranquillement derrière le mec. Fais déconner l'écran en le piratant pour distraire le garde. Corpo ordure. Avant le fond. Bien. Maintenant, neutralise-le discrètement. Ah mais... Bien, il est à toi. Oh, fais un effort. Le fais pas aller trop vite. Allez, on reprend depuis le début. Je me souviens pas qu'il bougeait, putain, dans ce tuto. Je me souviens qu'il bougeait pas. Allez.
Ils ont corrigé trop de trucs. En le piratant pour distraire. J'ai rejoué après l'animé. Ouais, tu peux ralentir à chaque fois le temps. Bah, justement, tu peux faire techniquement le build de David. Le seul truc qui est un peu what the fuck, c'est que ça sous-entend que ton personnage il a le sang des Vista, quoi. D'ailleurs, il l'a de manière très naturelle parce que de base, ton personnage de toute façon ralentit le temps quand il se fait repérer. C'est ça qui est. Ramasse le corps et va le planquer quelque part. C'est quand même un peu des barres quand on y repense. Et on n'a pas de problème, c'est aussi ça que je trouve qui est un peu nul avec le jeu. C'est dommage qu'il n'y ait pas de, d'effet de la cyberpsycho sur ton personnage. Ah, peut-être dans le deuxième, peut-être que quand ils referont un jeu cyberpunk, il sera. Ok. Maintenant, il aura ça. Éliminer d'un coup bien placé. Prête à pirater des pommards en temps réel. Mais sinon, ouais, comme build, moi, bah, en gros, concrètement, la première fois que j'avais fait le jeu, j'avais fait genre 0 kill. J'avais fait tout le jeu. Alors là, je pense que je vais tuer des mecs, mais genre, je vais m'en battre les steaks. Je vais quand même tester un peu les armes. Mais j'avais fait tout le jeu juste avec un flingue et un katana. Et j'ai tué personne. J'ai tué, genre, dans tout le jeu, j'ai tué 3 mecs, je crois, dans tout le jeu. J'avais tué le mec là qui baisait les putes, là, un peu le chef baron de la mafia là, de mes deux. Et un autre perso, et évidemment le grand méchant dont j'ai oublié le nom là. Je sais plus comment il s'appelle. C'est con ça. Comment il s'appelle déjà? Le gros mec robotique. C'est Adam Smasher. Ouais, voilà, bien joué. Putain, j'ai trouvé en même temps que tu me l'as dit. C'est le seul mec que j'ai buté. Sinon, j'ai fait vraiment tout le jeu sans tuer personne. Et du coup, bah en fait, j'avais tout focus dans le hacking. Alors. Suffisait que tu débranches ton cerveau et que t'obéisses aux ordres, façon Militech. Mais genre, mon focus hacking était tout pourri, quoi. Genre, j'avais juste boosté de quoi. Au mieux hack, mais vu que j'avais pas de thunes, je pouvais pas améliorer mes compétences, genre faire que les mecs se suicident ou ce genre de choses, quoi. Dans la rue, t'auras pas d'avertissement ni de deuxième essai. Vas-y. Histoire de se remettre dans le bain, on fait les tutos. On va travailler la furtivité. J'ai pas marqué. Mais si, ils sont marqués. Laisse-moi avancer le jeu, ils sont tous marqués là. Ou je reste très longtemps appuyé dessus. Bah dis donc, ils ont pas tout corrigé hein, parce que ça c'était pas buggy à la base. C'est une connerie. Non, parce qu'ils me disent. Je me souviens pas qu'il y avait tout le choix. Ouvre. Ah. Vas-y, je vais me faire alerter, comme ça ils relancent la simulation. Ah bah c'est ridicule. En plus, je peux même pas me barrer. Ah justement, clic molette, c'est ça. Clic molette, c'est de faire ça en fait. Justement, tu vois c'est ce qu'ils disent. Active le scanner, donc clic molette. Puis appuyer sur sur la molette. Ce que je fais. Ah! Attends, peut-être. Peut-être qu'ils ont. Non, parce que ça s'affiche juste la vie de l'adversaire. C'est gênant.
Parce que... Ah, attends. Parce que je me souviens que... La touche tab, elle servait aussi. Mais... Non, c'est juste gênant. Le jeu. Est-ce que je peux abandonner? Ah, peut-être si je pirate, mais non, il veut pas. Non, non, bah, il veut pas. À part si je dois hack la porte. Mais je pense pas. Pour marquer une cible, oui. J'ai scanné. J'ai scanné. J'ai tout scanné, madame. Je teste toutes mes touches, on sait jamais. Et ça, ça affiche juste la vie, ça. Oh, mais ils sont scannés, là. Faut pas de ma gueule. Ah! Peut-être. En fait, j'ai l'impression que justement, ils sont pas scannés. Normalement, ils te les affichent à travers le mur. Attends. Mon dieu. Ah bah attends. Est-ce qu'il y a une save? Tant pis, pas de furtivité. Abandonner le tuto, merde. L'algorithme de Militech t'a plutôt réussi. Ah, peut-être qu'elle m'a remis, vas-y. J'ai d'autres modules au cas où tu voudrais peaufiner d'autres compétences. Sinon, tu peux y aller. Mais vas-y. Fais attention. Dans la rue, t'auras pas d'avertissement ni de deuxième essai. Vas-y, je reteste. Je me dis comme ça. Bon. Alors. D'abord, mais ça serait con si tout mon jeu est buggé, genre en mode je peux plus scanner les mecs, quoi. Ah, parce que là. Parce que c'est quand même un peu triste si vraiment je ne peux scanner personne, quoi. C'est... Si genre le jeu a décidé de... De bugger. Non, bah tant pis. Hein. Tant pis, va falloir prier pour que... Ah, de toute façon, je vais pas utiliser le hack, hein. Je vais utiliser les gros guns. Les gros guns, puis je voulais tester de me mettre les lames mantis aussi dans les bras. Les lames mantis ou le fouet laser. On va travailler la furtivité. Oh sérieux, non. Non. Attends. Ok, je vais essayer de suivre le tuto de manière calme et posée. Justement, la question que je me posais, peut-être du coup, Corbac, t'as dû t'en servir, mais les lames mantis, tu peux les utiliser à l'infini ou il y a un temps de recharge? Ah, tant pis pour le tuto. Hein. Parce que ça, c'était. Je me souvenais que les gens disaient qu'il y avait un temps de recharge avec les lames mantis, mais vu que je les ai jamais testés, je sais pas du tout. Quand je vois les mecs les jouer, j'ai pas l'impression que ce soit le cas, donc... Ouais, ouais, t'es pas. Ok, ouais, c'est comme une arme. Bon, ça, c'est cool, ça, en vrai. Il y a aussi, qui a l'air hyper stylé. Ouais, c'est avec le fil. Mais c'est ce qui a l'air vraiment hyper stylé aussi, c'est le canon, là. Bon, on y va ou quoi? Le canon dans le bras, ça a l'air hyper classe. Comment je quitte? Je pense qu'il faut aller là-bas. Me tire. Alors, pas mal, hein. Ouais, c'était bien buggé, Jackie. Hein. Est-ce
Est-ce que Wakako t'a donné des infos utiles sur le job? Je suis pas ta mère. Fais ce pour quoi je te paye. C'est pas compliqué. C'est parti. Ah, il est pas ouf le canon. Ouais, mais il est quand même ultra stylé, moi je trouve. L'ascenseur. Ce qui est dommage, c'est que tu puisses pas équiper plusieurs trucs à la fois. Genre, tu mets le canon plus les lames. Mais après, oui, c'est possible qu'il soit pas terrible. Hein. Alors. Pip, pip, pip. Ah. Alors, bah, moi, j'ai voulu mettre des mods, mais c'est trop chiant, il buguait. Je voulais mettre un mode que je trouvais quand même pratique pour l'histoire, tu sais, c'était de mettre plus de foule dans les rues, genre plus de véhicules, etc. Et malheureusement, il a bugué, donc tant pis pour les mods. J'avoue que c'était celui-là que je trouvais le plus chouette. Bug, tu pourrais au moins essayer d'être sympa. Sympa, réconfortante. Y'a pas marqué ligne de l'amitié, là. Ah, le canon, tu t'amuses 2 minutes avec. Tristesse. Trouvez le 1237. La cible devrait être à l'intérieur, mais j'ai pas de visée sur son biomoniteur. C'est toi? Avec un peu de chance, on n'arrive pas trop tard. Essaie de garder la porte quand ça se joue sur le fil. Est-ce que je peux compter sur toi? Ah, oh, t'as même un gang? Ok, bon, ça c'est pas mal. Bon, en soi, à la fin, t'as l'afterlife. Hein. Ah, pardon. Techniquement, t'as un peu ton gang. Hein. Fais pas de bruit. Tiens, tiens, tiens. Ils ont laissé leur ordinateur allumé. Grouille-toi, tu... Oups. C'est vrai que c'est C pour quitter. On arrive trop tard. C'est elle. B, c'est notre cible. Sandra Dorset dispose d'une immunité corpo d'échelon 2. Oh, sérieux, la censure, ça censure ça même? De contrebande, clairement du boulot de seconde zone. Ok. C'est pas notre fille. Je pensais que ça censurait que la nudité alors. Bon, normalement, elle est censée être. Je trouve limite plus flippant comme ça en fait. On voit pas le corps, c'est limite plus flippant en fait. Avec les cheveux là. Grouille-toi, Chica. Pardon, pardon. Ah ouais, t'as des modules pour ton gang. Ouais, et puis la ceinture, je peux pas trop l'enlever. Ah, désolé. J'ai voulu quand même vérifier si c'était possible, mais même pour moi, ça me ferait... ça me foutrait dans la sauce. Enfin, pour les trucs YouTube et les trucs Twitch, ça foutrait vite dans la sauce. Malheureusement, sinon clairement je l'aurais enlevé quoi. J'ai aussi mis le truc là pour que les chansons soient des chansons libres de droit. Faites gaffe, il y en a d'autres qui répliquent, ils sont presque là. Des osseurs de mes couilles. Hop, on récupère tout. On va se faire ces enfoirés. Ouais, sur Twitch ça passe mais pas sur YouTube, c'est possible. Et puis le contenu d'une unité, ça par contre malheureusement même sur Twitch ça passe pas. Ouais, limite, même sur YouTube, ça passe mieux. Mec. Putain, la tristesse, oh, tant pis. Oh là là. Oh, j'ai envie de mourir, c'est tellement naze. Tuez-moi. Bam, bam, bam.
Demandez, j'ai tellement mal tiré. Le mec qui m'a repéré, rien à l'air. On va refaire. D'ailleurs, je sais plus s'il y a des. Il y a des silencieux sur les armes. J'ai mis en normal, hein, c'est ça le pire. Ah, difficile, j'ai pas envie parce que je me souviens qu'il y a un passage en particulier qui est déjà insupportable en normal. Alors en difficile, j'ai pas trop envie quoi. Genre, si tu te souviens, c'est quand tu dois sauver. Quand tu dois sauver un reporter. Mais du coup, ouais, il y avait un mec là. Il est apparu. Ah d'accord, ouais. Bonjour. C'est vraiment, je lui ai passé à côté, j'ai rien vu. Quoi. Par là mon grand. Fais dodo avec tes potes. Ah c'est ça ouais, difficile, c'est que ça t'oblige en plus à bientôt petit ouais. Ça c'est clair. Et bon, en extrême, alors ça j'imagine même pas, ça, ça doit être l'enfer. Je peux pas passer par là. Ouais, forcément, je me suis pas fait repérer. Bon, ça, on fera le tri après. Je me souviens que lui, je peux arriver derrière lui, mais... Bon, tant pis. Les capteurs détectent aucun mouvement. Vous l'avez eu, on dirait. Vous pouvez continuer. Merde, elle est où, notre cible? Cherchez partout, elle est forcément quelque part. Ah. Faut que j'arrête d'appuyer sur E pour pouvoir récupérer les objets. Blablabla, ça je prends toujours, je lirai plus tard. Ah, c'est C, putain. C'est C, merde. Ça je peux pas l'apporter. Alors... Voyons voir un peu les équipements. Oh non. J'ai pas fouillé les mecs que j'ai mis à terre. Oh, en vrai. Ah, c'est des connards. Ah, on va se la jouer un peu plus. Salope. Je pensais carrément pas qu'on pouvait être aussi discret. C'est pas la méthode que je préfère, mais c'est plutôt navin. Je vais réussir à m'habituer sur le fait qu'il faut appuyer sur C, putain. Avant ça.
Ok. Putain de bordel de merde. Ça y est, je crois que j'ai trouvé notre cible. Ah. On arrive à un souci avec le laser. On va vite le savoir. V, connecte-toi à son biomoniteur, je vais évaluer la situation. C'est pas bon. Je me connecte. Comment ça se fait ça? Sandra Dorset, NC57044. Ah non, ça bug pas. Ok. Trauma Team Platine. Platine? Merde. J'espère que. Ils ont dû brouiller le signal du transmetteur. Ça doit être un piratage de biomoniteur, une reconfiguration de micro-logiciel ou un neurovirus. Le chat. Ah, ok, ça bug pas. La tech peut pas être complexe. Toujours mal foutu sur PC, il m'indique que ça bug. J'ai une idée. Regarde son aéroport. En même temps, tout à l'heure, Twitch, il a complètement bugué, c'était bizarre. C'est ça qui doit bloquer le biomoniteur. C'est pas un peu risqué? Genre tout le site, il était down. Elle respire encore, mais il nous faut son biomoniteur pour détecter des hémorragies éventuelles et le reste. Alors regarde s'il y a un éclat et retire-le. Ok, ok. Ouais, il y a un éclat. Je le retire. Regarde son biomoniteur. Ça change quelque chose? Bonjour Sandra. Si vous êtes consciente, mettez-vous en position latérale de sécurité. Une équipe d'évacuation. Mais la position, merde. Sera sur place pour la prise en charge dans 180 secondes. La trauma sera là dans 3 minutes d'après. T'inquiète, meuf, t'as failli te faire enlever tes boyaux, mais. Premium couvrira 90%. Mais mets-toi au PLS. Du sauvetage et du traitement. Pobrecita. Faut la sortir de la glace. Jack, ouvre l'œil, c'est pas encore fini. Je sais pas ce qui nous attend dehors. Je suis pas rêvé. Vas-y. Oh merde! Elle fait un trépas! V! Jackie, Eripo! Merde, ça craint! Attrape, chica! Tiens, David! Putain, ça a marché! Voilà, chica! Emmène-la dehors! Je pense que j'irai chercher sa tenue. Et à David. Ah. Atterrissage, dégagé. Lancement du protocole de sécurité. Suivez les instructions. Arrêtez-vous à la porte. Déposez la patiente au sol. Cinq pas en arrière. Allez. TT-133 à contrôle. Patiente NC570442 sécurisée. Ben c'est beau l'Amérique. Stimulant suivant. 70 mg de dopamine, 110 de noradrénaline, 800 de fibrinogène. Elle au moins elle avait les thunes, merde. On va vraiment se péter la gueule. Alors. Viens, on se casse d'ici. L'ascenseur va direct au garage. Bon boulot. C'est ça. Ah, elle avait tout, elle. On se reparle bientôt. Dis, chica, j'ai un truc à faire. Ça t'embêterait de me prêter ta caisse? J'ai un rencard avec Misty, mais je peux pas prendre le métro. J'aurais l'air de quoi? Que regarde ce pauvre Jackie, lui, il n'avait pas assez d'argent quand il va lui arriver malheur. Merci. Tu veux que je te ramène chez toi? Vas-y, prends le volant. Je suis claqué. Non, prends ma caisse, mais laisse-moi là. Faut appeler Wakako, lui dire que le boulot est fait. Ah. Vas-y, j'appelle Jackie. Tu vas se dire, mais qu'est-ce qu'elle branle? V, comment ça s'est passé?
sauve. Bien sûr qu'elle est saine et sauve. C'est ce qui est ah oui, ouais, c'est sûrement... Je crois qu'en plus, c'est même le cas. Hein. Je me demande si c'est pas même expliqué comme ça. C'est grâce à Johnny, le fait que tu puisses pas avoir la cyberpsychose. Vu que techniquement, t'as déjà quelque chose dans la tête et que t'es à moitié mort. Mais je trouve quand même dommage. Surtout que, je veux dire, tu vois, à un moment donné, de faire des espèces de glitch visuel en faisant apparaître des ennemis ou même des personnages, genre tu vois, genre ils te font apparaître des personnages comme Jackie ou des trucs comme ça, tu vois. Je trouve que c'était pas non plus trop dur à programmer, tu vois. Laisse-moi faire, Chica. C'est moi qui conduis. Genre, et plus tu deviens fou, genre plus tu vois de mecs dans les rues, genre bizarres et genre de choses, ça aurait pu. Je trouve que ça aurait pu être facile à programmer, quoi, pour le coup. T'avais pas besoin de faire un truc de malade. Quand tu vois, par exemple, dans tous les autres trucs qu'ils ont pas fait, genre le fait que tu puisses rentrer dans tous les bâtiments, etc., comme ils disaient à la base, c'était un peu forcé, ça. Mais c'est vrai que la cyberpsycho, pour le coup, c'est quand même quelque chose qu'ils auraient pu programmer. Mais je pense que dans le... Pour le 2, c'est sûr que pour le 2, il y aura sûrement de la cyberpsycho, je pense. C'est vraiment le plus simple à mettre dans le jeu, quoi. Qui rend le truc plus réaliste. Décidément, je kiffe Night City. Ouais, après le jeu moins vide, ça faudrait surtout qu'ils mettent des putains de voitures, y'a personne quoi. Et là je suis tout en ultra. Ultra sur PC et y'a personne. Adam Smasher. C'est ici que naissent les légendes. Et c'est pour ça que je disais que je voulais mettre le mode là qui rajoutait plein de véhicules et tout. Parce que vraiment ça rendait super bien quand tu vois les vidéos. Mais ouais, quand j'ai voulu le mettre, il a pas marché. Jackie, ça fait trop chier, Watson, quoi. Tu te souviens ? Ah merde, c'est vrai. Je suis parano ou... Ah merde, je le savais, il y a une camionnette qui nous suit. Pardon. Ah, t'inquiète, c'est juste la fourrière. Ah. Des os ! Bande d'enculés ! Putain, roule, Jackie ! Allez, vite ! Tu gueules la main ! Arrête de zigzaguer ! Damn. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas pratique quand même le fait que vous soyez les deux en rouge par contre. C'est mieux que c'est plus. Hop là! Chez! Salut hein! Du coup c'est trop triste, il va pas se cogner contre le mur! Désolé. Mais ouais, du coup, salut Kimux. Déjà qu'on arrive à rentrer. Pour des combats de voitures. Ah, genre en mode Dirty Dimension, je sais pas comment t'appelles. Là. C'est pas Dirty Dimension en plus le nom, mais je pense que c'est ça que tu veux dire. Ouais, Bibou. Putain, c'est gênant par contre, du coup, vu que j'ai buté les mecs avant enfin, la cinématique. Ils ont mis le paquet. Bonjour madame. Personne est confiné jusqu'à nouvel ordre, par mesure de sécurité. Madame l'agent, on a un sacré bol d'être tombé sur vous. Ah bon? Et pourquoi sur moi spécialement? Vous avez un cœur en or. Et seule une personne avec un cœur en or peut. Ils sont gentils quand même de mettre le nom de la personne au-dessus de sa tête. Votre dulcinée. Ouais, elle va se faire un sang d'encre si je rentre pas. Je veux dire... Tout ce que je veux, c'est faire les choses bien. Elle me laisse une chance, voyez. C'est une raison valable. Regardez-le. C'est pas le citoyen modèle, c'est vrai, mais c'est un bon petit gars. C'est vrai que c'est quand même un peu glauque que le mec parle de sa meuf alors qu'il y a une autre meuf à côté de lui. Ok, allez-y. Je vous souhaite une bonne. Bon, par contre, les règlements de compte, là. Tu pourrais quand même le démute, Bibou. Lui a fait de l'effet, on dirait. C'est la dévotion dont j'ai fait preuve qu'il a prise aux tripes. C'est ça. Je suis ultra loyal, stable en amour. Mm-hmm. Et modeste en plus. Tu me connais.
Rodel, regarde ça, V. Il y a du spectacle. OMG, la Mag Stack. Ça ressemble pas à une descente ordinaire. Parce que c'est pas des flics ordinaires. Ça, c'est et voilà, bon, en même temps, c'est mérité qu'il mouque ça. Fallait pas lui demander de jouer à Naruto, c'est un dead game. Mag Stack se pointe quand ça chie vraiment. Des pommards comme ça, ils en bouffent au petit-déj. Bon, ben on dirait que le spectacle est fini. D'ailleurs, je me demande si on peut, si on en butin de la Mag Stack, on peut récupérer ses équipements. Parce qu'ils sont quand même grave stylés. Ouais, le jeu est bien. Alors là, c'est beau que tu dises ça alors que tu dois avoir genre 3000 heures de jeu dessus. Alors que moi, déjà, au bout de 300, j'en avais marre. On est presque chez toi. Et toi alors? Il y a peu de chances que tu puisses rentrer à Haywood. T'inquiète, V. Ils vont me laisser passer. T'en es bien sûr? Mais oui, je vais encore faire le Jackie sympa. Ah pardon, excuse Killbox. Oui. J'ai même l'impression que sur les pubs, ils ont fait les gentils, ils ont pas mis de pub un peu osé. C'est gentil de leur part. Passe le bonjour à Misty. Ça marche. I'll wait. Ah, c'est dans une mission. Ah bah nice. En vrai, je vais clairement aller faire cette mission. Je vais clairement essayer de la trouver direct, hein, parce que il est incroyable leur équipement à la Mag Stack. Alors, appartement. Ça, par contre, la gueule du pavé, l'autre là. J'ai oublié de te dire. Je connais un runner qui pourrait être utile. Je t'envoie ces infos. Ah, Karina, quel cul. Ah, merde. Putain. Oh la gueule de l'embrouille là. Alors. Je ferai le tri après. Donc je suis pas trop lourd. Pour ça. Je crois qu'il y a... Ouais, y a quand même des trucs à récupérer. Genre là c'est pas mal. Je crois qu'il y a... Non, il n'y a rien à récupérer là-dedans. Ouais, je connais mon appartement, t'inquiète. Donc maintenant on peut acheter des nouveaux apparts. Ça j'ai vu aussi. Mais bon, faut masse de thunes. L'arnaque. Ah là là, sacré arnaque. Merde, je vais faire. Bonsoir. On va pas se doucher, hein, fuck it. Il va jamais te débloquer, hein, Killmox. Ça veut tout dire. Hein.
J'ai peut-être chopé un truc, en connectant au biomoniteur de la Corpo. Je sais pas, un neurovirus ou... Faut que j'aille voir Vic. Ça aura me dire pourquoi j'ai le cerveau et le bide en vrac. Ouais, après on peut Ghost Recon. Je joue encore un petit peu et puis... bah, 22h... 22h on joue, je pense. Alors... Je sais que... Ouais. Plus de style, quoi que... C'est comment, ça? Oh! C'est mieux, ça. C'est sympa, c'est classique. Ça, ça fait pas très défensif, quand même. Hein. Ouais. Allez. Ça, y a pas un truc qui est un peu mieux? On se met en mode The Witcher Fag. Ouais, c'est pas terrible. Voilà, ça fait trop artiste. Ouais, on va laisser comme ça, je pense. Oh putain, la gueule. On va garder ça. C'est quoi, ça? Ouais. Là, je pense que c'est des vieux talons. Ouais. Alors, voilà. Pas très bien, ça. Via pompe. Voilà. Ah, on va mettre sur le flingue. C'est immonde. Ah, les fameux classiques, c'est gentil qu'il moux. T'arrives à me faire me rappeler que j'ai une bio sur Steam. Et très clairement, ça faudra, je vais pas faire tout de suite les améliorations, je regarderai de mon côté. Parce que je sais que c'est un foutoir. Lise, et j'ai absolument rien lu. Du coup ça je garde. Pour le moment on va faire un peu de tri déjà. Ok, je vais aller y vendre. Sans. Quoi? Salut V, c'est Regina Jones. Si tu cherches du boulot à Watson, appelle-moi. Comment tu m'as trouvé? Et d'où tu connais mon nom? Je sais où choper mes infos. Je suis une sorte de collectionneuse. A plus, V. Ça marche, Regina. N'hésite pas à me spammer dans mes messages que tu veux me vendre des véhicules. Si on se faisait un round 2, t'es partante? Qu'est-ce que tu dis de mon nouveau sac de frappe? Il vient de me mettre une raclée en mode 2.0, je te jure. Je serais curieux de voir comment il s'en sort face à une V. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ok, c'est parti. Pèse pas trop sur tes pieds, bouge bien la tête. Vas-y, je le marave. Bam. Et je te fais sortir du ring.
peux organiser un combat ou deux. T'en dis quoi? Vous montez sur le ring? Plus maintenant. J'ai pris trop de coups sur la tête. Mes réflexes sont plus ce qu'ils étaient. Ça peut s'arranger. Ce qu'il vous faut, c'est un Kerenzikov. Je préfère dépenser mes édits pour autre chose. L'heure de la retraite a sonné pour moi. Vous avez parlé de combat. Je t'ai vu frapper sur le ring. Tu bouges bien, à l'instinct. Tu pourrais aller loin, surtout avec quelques implants. Ces combats, c'est pas très légal, bien sûr. Mais ça rapporte. Ça rapporte à vous ou à moi? À nous deux. Je touche une petite commission sur les gars. Je suis ton agent, quoi. Tu gardes le reste. Ah, je vois. Vous voulez vous enrichir pendant que je me fais tabasser. Faut bien se débrouiller, non? Au moins, je te dis les choses franchement. Les combats sont organisés dans différents endroits de la ville. Tu choisis où tu veux aller, t'allonges tes édits, et tu rentres en piste. Si tu gagnes, à toi la caisse. Si tu les étales tous, tu pourras participer à la finale. C'est bon? Tout est clair? Très clair. Bien. Mais t'attends pas à monter sur les rings de Watson. Pas encore. Commence par ceux de Kabuki. Je crois en toi, V. Montre à cette putain de ville qui tu es. Ça marche, coach. On va faire des petites tractions, pompes. Ouais, pas le temps d'aller taper, hein. Voilà. Putain, ça, c'est un beau fusil à pompe. Ah, c'est beau. C'est le seul moment du jeu où ils ont décidé de mettre du monde dans les rues. Ah, la star, enfin. Eh ben, t'en as mis du temps. Ça m'a ouvert l'appétit d'attendre. Assieds-toi, je finis ça. Et après, on pourra aller voir Señor Vector. Vas-y, hein, à plus. Tu m'avais parlé d'une surprise hier. Cinéaire, chef. Bon, ou bien j'ai complètement déliré. Doit y avoir des deux. Ta mémoire, c'est pas trop ça. Bon, figure-toi que je nous ai peut-être dégoté un boulot, le genre Premios. Je t'écoute. Enfin, c'est peut-être pas un si gros coup en fait. À part que c'est pour comment il s'appelle déjà? Ah oui, un certain Dexter de Jaune. C'est juste le meilleur fixeur de Tonight City, quoi. Le Jésus noir bedonnant de l'Afterlife. 130 kilos de pure coulitude, en partie plaqué or. Comment t'as décroché ça? T'as vendu ta rate, un truc du genre? Parce qu'a priori, toi et moi, on est vraiment pas le type de Dex. Toi et moi, c'est sûr. Mais T-Bug, c'est elle qui nous a mis en contact et qui a lancé la discussion. J'ai su que c'était dans la poche dès qu'il a posé les yeux sur moi. Sérieusement, tu connais quelqu'un qui pourrait résister à ça, toi? Bien sûr, Jack, si tu le dis. Dexter de Sean, qu'est-ce que tu sais sur lui? Je sais que t'as des infos à balancer. Il avait disparu ces deux dernières années. D'après la rumeur, il s'était pris des petites vacances. 2 ans? C'est plus des vacances, c'est un exil. Qu'est-ce qui branlait? Ah, j'imagine qu'il s'enfilait des pizzas en se branlant sur des virtus hardcore. Tout ce qui compte, c'est qu'il est revenu, qu'il a besoin d'une nouvelle équipe, et qu'il nous a trouvés. Alors, c'est quoi le plan? On est censé s'en tirer vivant? Notre sauveur tient à tout expliquer en personne, face à face. Pas de pression, mais tout
repose sur toi, Chica. Pourquoi c'est moi qui m'y colle? Vous avez tiré à la courte paille sans moi, T-Bug et toi? T-Bug et Dex sont amis depuis longtemps. Et moi, tout le monde me connaît. Il veut juste te jauger, te parler. Ah, écoute, V, c'est son boulot, ses règles. Normal qu'il veuille savoir qui il engage. Mais y a pas de quoi s'inquiéter. Fais-moi confiance. J'imagine que j'ai pas le choix. Bon. Dex, c'est le top du top. Qui croit, un peu t'avoue, ça. Attention, hein. J'ai rien contre le Padre ou Akako. Mais lui, il est carrément hors concours. Tu vois ce que je veux dire? Je les connais, les fixeurs. Ils chopent un client, ils trouvent le pommard le moins cher pour le job, et ils balourdent son corps dans une décharge. Putain, t'as tapé dans le mille, V. Grâce à Dios, estoy lleno. Je t'ai ramené ta caisse. Je l'ai filé à un pote hier pour faire réparer les dégâts de notre petit accrochage avec les Désos. Merci, Jack. C'est super sympa. Ah, Miguel a fait un boulot de ouf. On dirait qu'elle sort de l'usine. C'est ce qu'on va voir. Bon, on décolle ou quoi? Voyons ce que Spijou a dans le ventre. Alors... quand même pratique ces voitures qui roulent toutes seules. On commence par quoi? Charculoc? Et mollo sur l'accélérateur, Chica. Et je viens de manger. Je devais passer chez Vic de toute façon. J'ai un rencard avec Misty. Sans déconner. Bah ouais, je trouve que c'est une chouette fille. Elle me comprend, tu vois. Ah, c'est juste qu'ils sont pas ensemble encore. La tristesse. Par ici. Est-ce que c'est toujours autant buggé? Retrouve-moi quand Vic aura fini de dépoussiérer tes circuits. Ah non, ça va. On discutera de ce que Dex nous prépare. La voiture ne décolle plus comme avant. Bien. Vous croyez vraiment que ceux qui vous ont vendu vos yeux mécaniques ont résisté à la tentation des pieds à travers? Nous sommes entourés de caméras. Il y en a même en nous. Ah si. Vos joies, vos soucis, votre vie, pour eux, ce n'est qu'un spectacle. Bon, supposons que t'aies raison. Et après, faudrait que je m'arrache mes optiques. Merci, mais sans moi. Vous êtes irrécupérable. Mais pas les enfants de demain. La vie préservée. De la chirurgie sacrilège. Ah, ça va, j'énerve les hippies. Le docteur Vector va te recevoir. Je t'attends là. Misty et moi, on a des trucs à se dire. Mais qui sont ceux qui suivent chacun de nos pas? Eh bien, les géants du divertissement d'Alpha du Centaure. Ces misérables apaisent leur masse. Ça, c'est très important. Dommage qu'on puisse pas caresser les chats. Hey Vic, t'as l'air en forme pour un Vioc. Contente de te voir. Moi aussi, je suis content de te voir, V. Ça fait un bail. Alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Mon dernier taf. Je me suis connecté au neurosupport d'une cliente et je crois que j'ai chopé un truc. Migraine, nausée, hypersensibilité aux lumières vives. Ouais, la totale. Ok, petite. On va t'arranger ça vite fait. Sinon, comment ça va? J'ai rencontré un nouveau fixeur qui m'a filé un boulot. Il s'appelle Dexter DeShawn. Une figure célèbre de l'afterlife. Tu montes les échelons, pas de doute. Mais... t'as quelque chose à me dire, Vic? Reste sur tes gardes, c'est tout. J'ai entendu parler de Dex. Il est pas aussi cool qu'il le laisse croire. J'ai besoin d'un nouveau kit, Vic. Mais du vrai matos, pas des jouets. Je dois booster ma vision et il me faut une AD. Vraiment? Maintenant? Enfin? Vic, ça déconne plus. Je viens de décrocher un boulot pour Dex DeShawn.
Je joue dans la cour des grands maintenant, il me faut de la tech qui puisse suivre. Dexter de Shawn, donc. C'est du sérieux, je vois. Mais laisse-moi deviner, il t'a pas encore payé. D'ailleurs, je sais même pas comment on peut faire pour récupérer l'argent avant d'arriver vers lui. Fiole pas, Vic, je te rapporterai les édits plus tard. Avec les intérêts, tu me connais. Ouais. C'est la dernière fois, ok? Assieds-toi sur ce fauteuil. Détends-toi. Optique Kiroshi. C'est ce que j'ai de mieux et ça devrait être parfait pour ce que tu vas en faire. Ok, connecte-toi. Vraiment dégueulasse. Kiroshi, waouh, Vic, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Alors ça devrait être utile, je crois. J'ai promis de te rembourser, mais ça, c'est peut-être un petit peu au-dessus de mes moyens. On s'arrangera. Pour l'instant, je veux juste m'assurer que tu reviendras en un seul morceau, avec des édits plein les mains. Jette un œil et fais ton choix pendant que je te scanne. On va voir ce qui se passe là-dedans. Alors, hop là, les petits yeux, les petites mains, et j'ai pas d'argent. MK1, comme je te disais, c'est un bon scanner. Il affiche les données sur ta cornée, et la cerise sur le gâteau, c'est un disrupteur de lentilles externes intégrées. Pour faire simple, ton visage apparaîtra comme une tache floue sur les caméras de surveillance. Mais attention, ton corps, lui, restera parfaitement visible. Ça devrait faire l'affaire. Et en plus, c'est compatible avec la tech Kiroshi. Je suis prête. Charcute-moi. Excellent. Allons-y. Allez, petite. Étends ton bras de championne ici. Alors, quoi neuf dans la vie de Victor Vector ? Franchement, pas grand chose. Et c'est très bien comme ça. Je vivais dans un monde où rien ne comptait à part les noms, les faits, le pourquoi, le comment. Il s'est passé quoi ? Un jour, je suis parti sans jamais me retourner. Je serai jamais une légende dans cette ville. Mais je dors bien depuis. Comme ça, merci. Quel homme, ce Vic. Un petit anesthésiant et je commence à inciser. Tu sens quelque chose ? Encore cette question ? Sérieux, Doc ? J'ai l'impression d'entendre un dentiste toujours en train de radoter. Eh, sois gentil, tu veux. Oublie pas que je suis vieux et que ma vieille main organique tremble. Je pourrais ripper. Je te coupe l'image une minute, ok? Ça, c'est vraiment dégueulasse. Et Coca lui m'arrache les yeux. Ok, on va tester ça pour voir si la magie opère. J'active la liaison. Je pourrais ressentir une légère gêne au début. Vision trouble, contraste atténué, quelques bugs. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Tu te sens bien ? C'est tout ? Waouh ! C'est mortel, Vic. Ah, nickel. On passe au scanner. Peut que tu mettes quelques secondes à t'habituer. Mais ça, c'est top, ça. Il y a une première fois tout. Le scanner devrait finir par se synchroniser avec ton flux de pensée et décrypter tes intentions. J'ai aussi ajouté une porte dérobée vers les dossiers du NCPD. Si tu croises des fauteurs de troubles,
tu sauras quels troubles ils ont fauté. Ça devrait marcher. C'est gentil, monsieur. Dégaine ton arme. Tu devrais voir la quantité de munitions et un nouveau viseur. Et pour le neurovirus du dernier taf, tu sais, tu peux regarder? Je m'en suis débarrassé quand j'installais ton implant. J'ai lancé un scan complet de tes circuits, logiciels, et j'ai liquidé ce petit enfoiré. T'as ma garantie zéro bug. Putain, Victor, c'est cool. Je sais pas quoi dire. Bah alors dis que tu vas prendre ça et que tu te souviendras des doses. Deux bouffées maintenant, deux autres dans une heure. C'est quoi ce truc? Un léger stimulant. Ça va booster la neurotransmission à court terme et estomper certains effets secondaires pendant que l'implant s'installe. C'est le meilleur, Vic. Je t'en voudrais ça. Allez, petite, montre-leur ce que t'as dans le ventre. Et quand tu seras dans la cour des grands, oublie pas d'où tu viens. C'est clair. Oh, de toute façon... Oh ah, elle s'est transformée en petit enfant, la dame. Il est où, le chat? Ah. Bon, de toute façon, je vais m'arrêter là. Ça fera pile 22h, c'est parfait. Et voilà. Pas mal, on avance gentiment. Est-ce que je vais retirer... Ah, je vais retirer ça. Voilà. Et du coup, j'avais 33h avec l'ancienne partie. Et puis, ouais. On verra du coup la suite. On verra Dexter de Sean, et puis bah, j'espère au moins finir la première partie du jeu. Comme ça, histoire après, on est vraiment libre de tous les mouvements. Et ça, on verra pour la suite. Sur ce, ces messieurs, bonne soirée, bonne nuit, et bah, à plus, je verrai quand est-ce que je stream. Peut-être cette semaine, mais c'est pas encore sûr. Ah, peut-être jeudi ou vendredi, je verrai. Je redirai de toute façon sur Discord. A plus, bonne soirée, bonne nuit. Ciao.